Demat Cavalierez. Bonjour les amis, comme on dit en Bretagne. Tachi Delek, que tous vos vœux se réalisent. Bonjour les amis, je suis Pascal Trefingui et cette semaine, à travers 4 vidéos, nous allons aller à la racine de l'antisémitisme moderne. Généralement, on pense que c'est la droite qui est antisémite, et c'est vrai, la droite, l'extrême droite fasciste nazie a été antisémite, mais il y a d'autres mouvements d'antisémitisme. Il y a aussi un antisémitisme de gauche qui est lié très profondément au bolchevisme, puisque Marx était lui-même antisémite, c'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Mais il y a aussi un antisémitisme du centre, celui du sionisme. Et oui, Theodor Herzl, le fondateur du sionisme, était violemment antisémite. Alors l'antisémitisme d'Hitler, on en parlera très brièvement, c'est pas la peine de revenir sur les élucubrations de ce personnage, lui aussi issu de la communauté luciférienne, mais on va parler de deux autres lucifériens, Karl Marx et Theodor Herzl, et vous allez voir que leur antisémitisme du centre et de gauche vaut tout autant l'antisémitisme de droite. Vous êtes prêts? 1, 2, 3. Ne l'écoutez pas, je suis venu de Marseille, ça va, c'est du monde. Je vous le dis, Trefingui dit n'importe quoi. On ne peut pas être juif et antisémite. Hitler n'a aucun lien avec les Rothschild. C'est faux, c'est faux. D'ailleurs, regardez-moi-même dans ma propre expérience. J'ai prostitué des enfants, un réseau pédophile pour faire du fric. Et au final, c'est un vieux pédophile qui m'a monté dessus et qui m'a piqué mon pognon. C'est la loi du karma, la loi de rétribution. Et bien, Trefingui ira son karma, hein, parce qu'à pas aimé les bolcheviques, a pas aimé les nazis et a pas aimé les sionistes, et bien on va lui faire striquer sa chaîne. Moi je te le dis, avec mon avocat José, la tortillette.